président de l'Association congolaise pour l'assistance sociale, en sigle ACAS, pour l'ouverture de cette cérémonie de lancement de l'atelier de renforcement des capacités des responsables d'associations et des animateurs de radio de proximité sur la promotion de la culture de la paix, la lutte contre les violences en milieu scolaire, en mettant l'accent sur les violences basées sur le genre et également la lutte contre le VIH-SIDA. L'Association congolaise pour l'assistance sociale a été créée en 2017 par les jeunes et pour les jeunes, dans le but de contribuer au développement social et communautaire en République du Congo. À ce titre, elle organise depuis sa création des activités pour contribuer à l'autonomisation et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Mesdames et messieurs, distingués invités, la présente cérémonie marque le lancement d'une série d'activités que notre association, en partenariat avec la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO et le Comité national préparatoire du Festival mondial de la jeunesse, organise au titre du programme de participation 2024-2025. C'est ici l'occasion de remercier la Commission nationale pour l'UNESCO et son secrétaire général pour avoir bien voulu retenir notre projet cette année. Je profite également de cette occasion pour remercier l'ensemble de nos partenaires, parmi lesquels le Comité national préparatoire du Festival mondial de la jeunesse, l'ambassade de la Fédération de Russie en République du Congo et la directrice de la maison russe qui nous ont accompagnés. Les jeunes font face à plusieurs défis comme l'accès aux services de santé et l'information de qualité. L'emploi, le manque de repères et d'encadrement contribuent ainsi à leur isolement croissant dans la société. Cet état des choses a un impact négatif sur la paix, illustré par tous les comportements rétrogrades et inciviques dont les jeunes aujourd'hui sont acteurs. L'école est universellement reconnue comme l'une des institutions éducatives par excellence. C'est le lieu qui reçoit et rassemble principalement les enfants, c'est-à-dire des êtres en devenir, ayant moins d'expérience de vie et issus de milieux différents, avec des passés et des comportements divers. C'est pourquoi l'amélioration des conditions de l'environnement scolaire, aussi bien physique que moral, et d'apprentissage des élèves constitue l'une des principales préoccupations des acteurs du système éducatif, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Malheureusement, l'école congolaise est en proie de plusieurs comportements incompatibles à l'éthique sociale. Les conséquences de ces comportements déviants se traduisent, entre autres, par les violences scolaires, quel que soit le niveau du système éducatif. La République du Congo a la plus grande incidence de toute la sous-région concernant le VIH-SIDA, selon un récent rapport du Fonds mondial. Selon les estimations, 140 000 personnes vivent avec le VIH-SIDA, dont 37 000 sont sous traitement. La catégorie des personnes la plus touchée est celle des jeunes filles et adolescents dont l'âge varie entre 15 et 25 ans. L'atelier qui débute aujourd'hui a pour but de renforcer les capacités de 50 responsables de l'association de jeunesse et animateurs des radios de proximité sur la promotion de la culture de la paix, la lutte contre les violences en milieu scolaire et la lutte contre le VIH-SIDA. Mesdames et messieurs, distingués invités, le premier jour est consacré au module de la lutte contre les fake news et initiation aux techniques de communication et la culture de la paix. Le deuxième jour, quant à lui, permettra d'aborder les modules sur la prévention, la sensibilisation sur le VIH-SIDA et les violences en milieu scolaire, avec un accent bien particulier sur les violences basées sur le genre. Je profite également de cette occasion pour remercier nos brillants experts
formateurs qui ont bien voulu nous accompagner dans cette aventure. Et à l'issue de cet atelier, les jeunes formés se déployeront dans les écoles pour mettre en pratique les compétences acquises en sensibilisant les élèves dans quelques lycées de Brazzaville. J'invite donc les participants à bien suivre cette formation, à le prendre au sérieux et avec l'engagement nécessaire. Je fais donc le vœu que ces travaux se déroulent dans une bonne ambiance. Je vous remercie. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée. Au nom du secrétaire général, de monsieur le secrétaire général de la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO, empêché, j'adresse aux leaders nationaux invités mes remerciements les plus cordiaux pour leur présence à cette cérémonie et aux participants, animateurs des radios et médias de proximité, mes encouragements à l'assiduité aux travaux de cet important atelier centré sur des thématiques d'actualité, la culture de la paix, la lutte contre le VIH-Sida, la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire. La charte des commissions nationales pour l'UNESCO, adoptée par la Conférence générale à sa 20e session en octobre 1978, reconnaît aux commissions nationales le rôle de diffuser des informations sur les objectifs, le programme et les activités de l'UNESCO en s'efforçant d'y intéresser l'opinion publique. L'un des instruments par lequel les commissions nationales jouent ce rôle est le programme de participation de l'UNESCO aux activités des États membres. Faisant partie du programme ordinaire, le PP, donc le programme de participation, permet aux États membres d'exécuter des projets en complément des efforts nationaux dans les domaines de compétences de l'organisation que sont l'éducation, la science, la culture, la communication et l'information, de préférence sur des sujets transversaux comme la jeunesse, l'égalité des genres, la culture de la paix. C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent projet de séminaire-atelier porté par l'Association congolaise pour l'assistance sociale qui aborde des thématiques d'actualité et qui sont prioritaires pour l'UNESCO. Mesdames et messieurs, la jeunesse est un groupe prioritaire pour l'UNESCO. Reconnaissant leur sens de la créativité, leur aptitude à l'innovation et leur capacité à faire changer le monde, l'UNESCO croit fermement que les jeunes sont des acteurs, des leaders et des partenaires essentiels. Ainsi, l'UNESCO s'est engagé à les accompagner dans la contribution au développement durable, la construction de la paix et la lutte contre les inégalités. Le présent projet destiné aux animateurs des radios et médias de proximité intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des violences en milieu scolaire et du VIH-Sida en milieu jeune, et dans lequel apparaît de manière inattendue le phénomène des fake news. Le séminaire à télé sera animé par des spécialistes choisis par l'UNESCO en raison de leur CV méritant. C'est pourquoi nous espérons vivement que ce projet va contribuer à l'amélioration des performances des jeunes dans le domaine des médias dans notre pays. Pour terminer, je vous souhaite une pleine réussite de vos travaux et déclare ouvert l'atelier de renforcement des capacités des responsables des organisations de jeunesse et animateurs des radios de proximité sur la culture de la paix, la lutte contre les violences en milieu scolaire et la lutte contre le VIH-Sida. Je vous remercie pour votre attention.